So welcome everyone. Welcome to our weekly appointment, if I can call it that like that, our weekly rendezvous. Today our guest is Khaled Igay. Khaled is a Beninese economist and investment banker. He's partner in charge of Africa at BNA Investment Bankers. They're based in Paris, Shanghai, and Beijing. He was named Young Global Leader by the World Economic Forum in Davos in 2018. Prior to joining BNA, Khaled held several senior positions for Africa and Europe in the agribusiness and energy sectors. He was the Director of Public and Institutional Partnership for Africa at OCP, a global leader in the phosphate and fertilizer industry from 2016 to 2018. Khaled was also the Director of Public Partnerships, and he led engagements in the energy practice at Eurogroup Consulting from 2015 to 2016. He was also project manager at Areva, a global leader in the energy and mining industry from 2009 to 2015. Khaled founded the think tank Club 2030 Africa, which he is also president of since 2012. It's a club for innovative ideas for sustainable economic and social development of African countries. But that's not all. Khaled is also co-founder and co-chairman of the French African Foundation. He holds degrees from major universities in the world, and you won't believe me, but I'm going to say it: Harvard Kennedy School, Sciences Po Paris, University of Paris, hein? Panthéon Sorbonne, National Institute of Applied Sciences in Strasbourg, and Illinois Institute of Chicago. And he is also, last but not least, the author of the book L'heure de l'Afrique, which was published by Herman in January 2020. Now you'll agree with me, he has an awesome bio. So Khaled, welcome to our Instagram Live. On behalf of Acosphere, Gilles Aconi, and myself, we are delighted to have you as a guest today. Thank you very much, Nadia. Thank you, Gilles, for hosting me. It's a pleasure for me. I'm very delighted as well. Thank you. Alors, Khaled, ta biographie nous dévoile une richesse d'expériences extraordinaire. Quelle est ton histoire? Alors, c'est assez particulier de parler de soi, en fait. C'est jamais très évident. Souvent, je préfère quand les autres parlent de moi parce que ça fait un peu comme un effet miroir. Ça permet de s'apercevoir, en fait, comme les autres ressentent les choses. Je vais dire ça comme ça. En fait, mon histoire est assez simple, hein. C'est comme l'histoire de beaucoup de jeunes Africains. Mais il y a quelque chose de particulier chez moi, c'est que j'ai eu une mère qui a joué un rôle très important dans ma vie et qui continue de jouer un rôle très important, qui, dès le jeune âge, m'a fait comprendre, en fait, que l'on pouvait accomplir ce que l'on avait décidé d'accomplir. Et que ceci ne tenait qu'à sa propre volonté, en fait, et à rien d'autre. Elle le répète tout le temps. Et elle disait aussi que pour y arriver, il fallait beaucoup d'exemplarité et de discipline. Donc, tout jeune, en fait, j'ai toujours eu l'impression que je pouvais faire ce que je voulais à partir du moment où j'aurais décidé de le faire. Et que la réussite de ce que je devais entreprendre ne dépendait que de moi et de rien d'autre, en fait. Et aussi, ce qui est important de savoir, c'est que l'erreur était quelque chose qui était permise, en fait. On avait le droit de se tromper chez moi. Donc, quand tout petit, on vous dit, vous avez le droit de vous tromper, ce qui est important, c'est la leçon que vous en tirez ou ce que vous en faites, je crois que ça change complètement votre manière de voir la vie. Donc, tout simplement, Nadia, écoute, je suis né au Bénin. J'ai grandi au Bénin. Je suis né de parents béninois. Je suis béninois. Mes grands-parents sont béninois. Je suis Yoruba. Je suis né à Porto-Novo, j'ai grandi à Cotonou, j'ai fait mon école primaire, le collège, le lycée, comme beaucoup de Béninois au Bénin. Je suis venu en France pour faire les grandes écoles, comme on le dit ici en France.
de façon classique. J'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait des études d'économie, j'ai fait Sciences Po Paris aussi. J'ai, comme tu as dit, fait mon début de carrière chez Areva. Je suis allé dans l'agro-industrie, j'ai fait de la stratégie. Aujourd'hui, je suis banquier depuis quelques années en tant qu'associé en charge de l'Afrique. L'Afrique, pour moi, ce n'est pas en fait un débat, ce n'est pas un choix de travail, c'est une mission. Je l'ai toujours vécu comme ça. Et je suis assez fanonien dans l'âme et camusien aussi. Je pense que ma génération a une mission. Donc, en t'écoutant tout à l'heure sur ma biographie, je me suis demandé à un moment quand est-ce que j'ai fait tout ça, en fait. Je me suis demandé, mais vraiment, j'ai fait tout ça. Mais en fait, je me rends compte que je ne me suis jamais posé de questions, que j'ai juste fait les choses comme ça me venait. Et juste une dernière chose pour finir sur cette partie, Nadia. Je sais qu'on a une demi-heure, mais c'est difficile de parler de tout ça en une demi-heure. Ah, vas-y, parle. J'ai toujours dit que je n'avais pas d'ambition. Je ne sais pas ce que c'est l'ambition, en fait. C'est quelque chose qui ne me parle pas beaucoup personnellement. Ce que j'ai, moi, personnellement, c'est une raison d'être. Ok. Et Nadia, tu sais, c'est quoi ma raison d'être? Ah non, mais je veux le savoir et je crois que Alors, tout notre auditoire veut le savoir. donc, c'est susciter et concrétiser les espoirs. Susciter Susciter et et les concrétiser espoirs. les espoirs. Parce que sur notre continent, on nous a toujours fait des promesses. Et beaucoup de jeunes attendent que ces promesses se concrétisent, mais ces promesses ne viennent pas. Il y a des endroits sur notre continent où les gens n'ont même plus d'espoir, ce qui explique les immigrations massives qu'on voit, le désespoir qu'on voit. Et je pense que si on arrive juste à susciter des espoirs chez nos jeunes Africains ou à les aider à concrétiser leur propre espoir, je crois qu'on aurait fait plus de la moitié du chemin. Et en étant jeune, ayant grandi à Cotonou moi-même, quand tout petit, dès qu'il y avait une pluie, c'était l'inondation totale, il fallait porter les bottes et les bottes ne servaient même à rien dans le quartier. Je vais dire dans le quartier populaire dans lequel je vivais à Avotrou, s'il y a des Béninois qui nous suivent et qui connaissent un peu la ville de Cotonou. J'ai vu progressivement aussi, par la volonté, comment des espoirs ont pu être concrétisés aujourd'hui. Si tu vas dans le même quartier, on dirait une ville moderne et tout. Donc, je pense que si on arrivait à susciter des espoirs chez les jeunes Africains, en concrétiser aussi, on rendrait déjà ça serait déjà rendu une belle part à l'humanité, en fait, en faisant ça. Et donc, c'est sur ça que je vais finir ma première partie de la question que tu viens de me poser. Merci. Je vais traduire. On me réclame des traductions en anglais. So for our English speakers, to the question, what's your story? Khaled's answer is, first of all, he is a typical child from Benin, but he was lucky enough to have a mother who told him really early that success, his success, only depended on him. On what he wanted, on the discipline he'd put into it. And she also told him that he or his brothers and sisters, of course, that they were allowed to fail as long as they kept trying and as long as they learned a lesson from it. And so he went through all his career, not because he's ambitious, because what really, really makes him tick is to motivate and turn people's hopes into reality. And that is his reason. He's the meaning. That's his why in life. Merci, Khaled. Je te laisse continuer. Merci beaucoup. Ce que je voudrais ajouter aussi, Nadia, à tout ce qu'on vient de dire, en fait, j'ai commencé ma carrière chez Areva et j'ai fait une partie de ma carrière à Paris, j'ai fait des missions au Japon, à Tokyo, j'ai vécu en Finlande. Et en vivant en Finlande, en fait, si tu veux, ça a été un moment d'un choc, en fait. En Finlande, j'avais l'impression que j'étais loin de tout ce qui faisait de moi ce que j'étais. En fait, chez Areva en Finlande, j'avais l'impression qu'on n'avait pas besoin d'un Kalédigué, qu'il y avait beaucoup de talents, beaucoup de personnes, et que j'avais beaucoup plus à donner si je travaillais vers l'Afrique. Et donc, j'ai demandé à Areva de m'envoyer en Afrique. Donc, j'ai rejoint le Niger. J'ai fait 3 ans sur un grand projet au Niger où j'étais manager de projet, donc adjoint au directeur de projet, qui est un très grand projet sur lequel il y avait 3 000 ingénieurs qui travaillaient, un projet de mine. Et là, j'ai senti l'utilité que j'avais dans l'écosystème. C'est là où j'ai décidé de créer le Think Tank Club de Militante Afrique, parce que je me rendais compte qu'il y avait un manque de compétences important
sur le continent. Et je me disais que, quel que soit là où j'étais dans le monde, il faut que je sois capable de participer à la réflexion sur le développement de l'Afrique. Et c'est comme ça que j'ai créé le Club 2030 en 2012. Et il faut que je te dise qu'au moment où j'ai créé le think tank en 2012, j'aurais pu tout simplement en fait aller voir une institution, un think tank français, comme l'Institut Montaigne ou beaucoup d'autres, travailler avec eux. Mais j'avais conscience qu'il fallait que j'imprime ma propre marque. Il fallait que j'imprime mon propre dynamisme, ma raison d'être, tout ce que je viens de te dire, le fait de susciter des espoirs. Et il fallait que je rassemble un certain nombre d'expertises du côté africain, mais aussi de la diaspora africaine en France, autour de ce creuset de réflexion, en fait, qui puisse proposer des solutions adaptées à notre continent, mais des solutions africaines au défi du continent. Pas des choses importées, pas des réflexions qui sont menées en Europe, mais que nous ne faisons que translater sur notre continent, mais des réflexions que nous menons même nous-mêmes et que nous adoptons à nos réalités. Wow, so Khaled was telling us about his experience. He lived in different countries, in Japan, in Finland, and when he was working for this energy and mining group, Areva, in Finland, he realized that he was too far away from everything that defined him. So he asked to be transferred somewhere else, and he ended up in Niger, where he worked as a project manager on a huge project with 3,000 engineers. And he felt that he was being useful, he had impact. And that then inspired him to create his think tank, which he created in 2012, not by, joining a local European or Western organization and becoming their branch for Africa, but by actually setting up something that had a meaning for him and something that would look at African development, taking into consideration our specificity and make it, bring solutions that are tailor-made for Africa and not just transferred to Africa as we too often do. Merci, Khaled. Alors, tu as écrit L'heure de l'Afrique, paru en 2020. Qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est encore une grande question, Nadia. J'apprécie beaucoup. Je crois que c'est la première fois que je vais expliquer profondément en public la genèse de l'envie d'écrire, en fait. Je me rappelle, j'étais au lycée à Cotonou, au cours secondaire protestant, et dans le programme, on avait certains livres qu'on devait lire. Et je vais te citer trois livres qui m'ont marqué et qui m'ont donné envie d'écrire, et donc j'étais en seconde. Le premier livre, c'est le livre de Kamara Lai, L'enfant noir. Le deuxième livre, donc, c'est Le vieux nègre et la médaille de Ferdinand Oyono. Et le troisième livre, c'est Les sanglots politiques de Okiki Zinsou. Et en lisant ces livres, en fait, j'ai eu un choc parce que ces livres traitaient du problème colonial, de peau noire, masque blanc, de Frantz Fanon. Quand j'ai lu après peau noire, masque blanc, beaucoup plus tard, j'ai compris mieux ce que je lisais quand j'étais jeune, quand j'étais en seconde. Enfin, il traitait de la perception que l'on avait de l'homme africain. Le vieux nègre et la médaille. C'est une histoire forte, ça m'a choqué. J'en ai pleuré en lisant Le vieux nègre et la médaille. Et quand on a 15 ans, qu'on lit ce genre de livre, alors que pendant tout mon processus au Bénin, on m'a appris un programme, on donne un programme de l'histoire, une histoire racontée d'une manière, je me dis, mais je suis confronté à moi-même, en fait. Et je me dis, mais est-ce que c'est comme ça que le monde nous voit en tant qu'Africains? Et c'est là où j'ai eu une première piqûre, en fait, en ce qui concerne tout ce qui après a guidé ma vie, a guidé aussi l'heure de l'Afrique, en disant, à quel moment nous allons nous révéler en tant qu'Africains à nous-mêmes, en fait. C'est une prise de conscience personnelle. Et c'est depuis la seconde que je commençais à écrire un peu. Mais malheureusement, dans mon écosystème au Bénin, il n'y avait pas d'éditeur. Il n'y avait personne pour me conseiller sur l'écriture. Il n'y avait personne pour me guider. Et même quand je parlais d'écriture à mes amis, mais on riait de ça, en fait. On me disait, oh, toi, tu veux écrire, tu es écrivain, tu n'as rien d'autre à faire. Mais c'était ça, en fait, parce que tout ça était très loin de nous.
Et c'est une dizaine, une quinzaine d'années plus tard, donc à l'âge de 32 ans, lorsque je fonde le Film Tank Club 2030 Afrique à 28 ans, donc très jeune. Un think tank, les gens les fondent quand ils ont déjà fait leur carrière, qu'ils sont au bout de carrière et qu'ils ont envie de réfléchir. Moi, je commence à 28 ans avec ce think tank. Et en fondant ce think tank, c'était clair dans ma tête que ça serait le creuset des réflexions qui amènerait vers l'écriture d'un livre que j'avais pensé depuis des années. Je ne connaissais pas le titre, je ne savais pas que ça allait s'appeler L'heure de l'Afrique, Time for Africa, mais c'était quelque chose qui était très clair dans ma tête. Donc, pendant 8 ans, j'ai écrit ce livre. Ce livre, ça a mis 8 ans pour l'écrire, depuis 2012 jusqu'à ce que ça sorte en 2020. Donc, ça a été une réflexion profonde. Ça a été en fait un dialogue entre les générations au sein du think tank, entre les secteurs. On avait un événement annuel qui s'appelait Africa Time for a New Deal. Il y avait 400-500 personnes qui venaient chaque année. Donc, c'était un creuset de débats, de discussions qui m'a nourri pendant près de 10 ans, qui a donné ce livre, L'heure de l'Afrique, qui a été préfacé par le président Abdou Diouf, que je remercie beaucoup d'ailleurs. Et le groupe Hachette a racheté les droits, l'a distribué aux États-Unis et en Angleterre sous Time for Africa. Et oui, je suis content, ce livre a été publié par un Africain, que L'heure de l'Afrique soit publiée par un Africain. Parce que je pars du principe que tous les critères sont réunis aujourd'hui pour que l'Afrique se réveille. Sur le plan démographique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan médiatique et sur le plan spirituel. Clairement, sur le plan spirituel. Tout le monde nous envie dans spiritualité, ce que nous sommes plus profondément. Et voilà, voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Merci, Khaled. So, to the question, you wrote the Time for Africa, which was published in 2020. What inspired you? Khaled says the book, I mean, the desire to write has been there since he was a teenager, but in his ecosystem, writing and publishing was not easy. And people used to laugh at him when he talked about writing. And so it took a long time until he founded his think tank in 2012. And from all the debates and the conversations that that think tank now nourished, you know, bringing together different generations, people from different walks of life, all that inspiration is what actually led him to write the book. But it took him 8 years to write Time for Africa. However, he believes that this is the perfect time for that book to be published by an African and to speak about the fact that everything is ready now for Africa, be it economically, demographically, spiritually, politically. It is time for Africa to rise and shine. Merci Khaled, j'ai fait une traduction autant que je peux. Mais la prochaine fois, je parlerai en anglais. Je peux faire l'effort la prochaine fois. Avec grand plaisir. Pourrais-tu nous faire part d'une ou plusieurs anecdotes concernant les défis, les opportunités que tu as rencontrées dans ta carrière ou dans ta vie et tes activités? Il y a quelque chose qui m'a marqué, en fait. C'est une anecdote qui est assez marrante. Au moment où ça m'arrivait, c'était pas marrant, mais aujourd'hui, avec le recul, j'en ris en fait. Et ça montre aussi la détermination et l'envie d'aller de l'avant et de ne jamais abandonner en fait. Quand j'ai eu mon bac au Bénin, je l'ai eu brillamment, ce bac-là, et je voulais faire mon dossier pour demander un visa pour venir faire mes études en France. J'avais été accepté en prépa en France et je venais pour faire les classes préparatoires et pour étudier seulement. Quand j'ai eu le bac, j'ai fait un peu la fête, je suis allé au Ghana, je me suis bien amusé et tout, j'étais content d'avoir le bac brillamment. Et j'ai mis du temps à déposer mon dossier de visa, en fait. Et le visa m'a été refusé. Oups. Parce que, en fait, je n'avais pas un bon dossier, j'avais un excellent dossier, mais parce qu'ils avaient atteint le quota d'octroi de visa. Donc, ils m'ont dit non, mais ils m'ont appelé. D'habitude, ils disent non, ils ne donnent pas d'argument. Mais ils m'ont appelé et ils ont donné un argument. Ils m'ont dit, vous avez un excellent dossier. C'est dommage qu'on ne puisse pas vous donner le visa parce que nous avons atteint le quota. Nous aussi, ça nous fait mal au cœur. Vous avez un excellent dossier, l'un des meilleurs dossiers de tout ce que nous avons reçu. Mais malheureusement, on a atteint les quotas. Vous avez déposé trop en retard et on ne pourra pas vous donner le visa.
J'étais à terre. André, oui. J'étais effondré. Je me rappelle comme c'était hier. Il était 18h, en fin de journée. En plus, ils vous appellent en fin de journée. Ils ferment le consulat après. Comme ça, vous ne pouvez pas faire de réclamation. Et ce n'était pas possible. Ils me disaient, mais non, j'ai tout préparé. Je fais ma classe préparatoire. J'étais accepté, mais enfin, je dis non, non. Parce que dans ma tête, j'avais toujours voulu venir en Europe, faire mes études, avoir une expérience et give back à l'Afrique. Give back. C'est ça. Donc, me couper de ce que j'avais prévu pour moi, c'était pas acceptable, en fait. Et du coup, je me suis levé le matin. J'ai fait une super lettre de motivation. J'ai expliqué au consul de France au Bénin pourquoi il était important que j'aie fait mon école d'ingénieur. J'ai expliqué ma démarche, ma raison d'être que j'avais depuis très longtemps. Et je suis allé déposer cette lettre. J'ai déposé cette lettre, j'ai demandé à ce qu'on fasse lire ça au consul, que c'était hyper important. Écoute, Nadia, je l'ai déposé le lundi matin. Ils m'ont appelé le vendredi soir. Je l'ai déposé le lundi matin. Le lundi à 18h, on m'a appelé pour me dire que j'avais le visa. Wow. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi Comme simple quoi, que hein, ça. quand on dit quand on veut, On peut. on peut. Les Mais étoiles ça, c'est s'alignent. l'éducation. Ça, c'est l'éducation. Ça, c'est l'éducation. Et ça, c'est l'éducation de. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire à partir du moment où on a décidé de le faire. Exemplarité, discipline. Et cette éducation qui t'amène à y aller tout le temps, en fait. Tu peux échouer, ce n'est pas grave. J'aurais pu ne pas l'avoir après la lettre, ce n'est pas important. Mais je serais allé jusqu'au bout, de toute façon. J'aurais épuisé. Et donc, ça, c'est ce que j'ai Oui. fait, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué en venant en France. Et dès que j'ai mis pied dans ce pays, j'ai dit, je prendrai tout ce que j'ai à prendre. Je ne laisserai rien. Ce qui explique peut-être la boulimie d'études de l'école d'ingénieur à des études d'économie à Sciences Po Paris et la formation à Harvard et tout. Tout ce que je pouvais prendre, je l'ai pris. Le fait de fonder le think tank, d'avoir fondé la French African Foundation, qui fait le programme Young Leader pour la relève, parce que ça, c'est le give back. C'est le dire, maintenant que j'ai fait tout ça, je veux pouvoir faire profiter aux jeunes Africains, à la relève, au nouveau leadership africain, mais aussi français, parce que je suis aussi une histoire commune. J'ai grandi, je suis né, j'ai grandi au Bénin, je suis venu faire mes études ici, je suis entre le Bénin et Cotonou et Paris, je voyage un peu partout. Et je dis, oui, il y a moyen de raconter une nouvelle histoire aussi. On n'est pas obligé d'être Oui, c'est prisonnier du sûr. passé. On peut choisir d'être prisonnier du passé, et c'est quelque chose que je respecte. Mais moi, j'ai choisi de ne pas être prisonnier du passé, de dire, non, il y a une nouvelle possibilité, on est en 2021. Il y a quelque chose à raconter. Et c'est toujours cette envie-là qui m'a fait créer donc, la Fondation French African Foundation, qui fait le programme Young Leaders, qui s'occupe de cette relève et qui permet à plusieurs jeunes Africains, plusieurs jeunes leaders de se rencontrer chaque année et de faire de belles choses ensemble. Voilà un peu. Wow, so Khaled was telling us about this anecdote of when he got his baccalaureate brilliantly and he was seeking a visa to go and study in France, but he was partying all summer and so he went for the visa a bit late and so the visa was refused before because the consulate, the French consulate in Cotonou, Benin, had reached their quota for visas. But as they gave him the news on a Friday evening, he thought it through. He was shocked. He wrote a letter to the consul, which he dropped on the Monday morning, explaining why it was absolutely necessary for him to get that visa. And by 6 p.m. that very Monday, he had got the visa. And he says again, it's education. It is the fact that he's learned to have no limit that allowed him to dare do it. And as he came to France, this might explain his bulimic attitude to studying, learning everything he could, taking as much as he could, because at the end of the day, what he wants is to give back to Africa. Merci Khaled pour cette belle anecdote. Est-ce que tu en as une autre ou est-ce que je J'ai une anecdote de continue? vie que je veux partager à ceux qui nous écoutent parce que souvent on est très superficiel dans ce qu'on raconte et dans les échanges qu'on a. Et quand les gens vous perçoivent, en fait, on a l'impression que humainement, dans nos vies, on ne vit pas de difficultés.
Et c'est se tromper, en fait. Je pense que tous autant qu'on est, nous avons nos challenges. Je crois que c'est un peu Chatham House qui participe, écoute, ne divulgue pas, mais je pense que ce que nous vivons aussi nous enseigne la vie, nous enseigne Oui. l'humilité. Oui. Il y a 2 ans, donc un soir il y a 2 ans, on m'a annoncé à l'hôpital à Paris, parce que mon père était très malade, qu'il se pourrait que mon père ne passe pas la nuit, en fait. Et toujours cette conviction qu'on peut aller de l'avant, qu'on peut faire les choses, qu'il faut jamais abandonner. J'ai eu à discuter fortement avec les médecins, et parce qu'il était dans un hôpital, on a dû le déplacer dans un autre hôpital pour l'opérer en urgence. Et au moment où je vous parle, mon père se porte très bien. Il se porte très bien, tout va bien. Et ce que je veux dire à ceux qui nous écoutent, en fait, c'est qu'il n'y a rien de simple. On peut voir des grandes personnalités, des personnes qui ont fait des choses brillantes, parce qu'on les voit à la télé, ou parce qu'on les voit dans une conférence, parce qu'on les a vus écrire un livre, mais derrière, il y a beaucoup de challenges que chacun vit, en fait. Et ce que je vais dire aux gens qui nous écoutent, c'est il faut juste pas abandonner. La vie, c'est un long chemin, en fait. Sur ce long Oui. chemin, il y aura des obstacles, il y aura des choses difficiles. Mais ce qui est important, c'est de savoir se relever. Ce qui est important, c'est d'aller vers l'avant. Ce qui est important, c'est de tirer des leçons. Et j'exhorte tous ceux qui m'écoutent, s'ils ont des enfants, s'ils ont des petits frères, des petites sœurs à qui ils donnent des conseils, de les encourager, de leur demander de ne pas abandonner, de leur dire qu'ils ont le droit à l'erreur, de leur dire qu'ils ont le droit d'échouer. C'est un droit, en fait. L'erreur, c'est un droit. Je pense que l'erreur, c'est un droit, vraiment. Je pense du fond du cœur. Les gens doivent avoir le droit à l'erreur. Et on vit dans un monde qu'on nous explique, en fait, qu'on n'a pas le droit de faire d'erreur, en fait. Et ça inhibe toute notre capacité à innover. Oui. Voilà. C'est la seconde chose que je voulais partager avec toi. Merci. So in Khaled's second anecdote is a life story of how he was called one day because his father was in hospital and the doctors told him he might not survive the night. And after a long discussion with the doctors, he had his father moved to another hospital. And as we speak, his father's doing really well. And the conclusion for him, the lesson he learned there and then is whoever you see, whether they're famous or, ordinary, what we call ordinary people, everyone has their challenges. But we must allow ourselves chances and we must allow ourselves mistakes. And mistakes are a right. He believes it's a human right. And we must learn from our mistakes and go on. But, making mistakes is part of being life. Life and life is always a long and winding road. So, if you have children, brothers, sisters, and you advise them, remind them that they are allowed to make mistakes as long as they learn from it and keep going. Thank you, Khaled, for such a beautiful lesson. Quand je pense à toi, à ton image de marque, voici les mots qui me viennent à l'esprit: brillant, humble, sympathique, passionné, panafricain. Comment te définirais-tu personnellement et qu'est-ce qui te rend efficace? Et puis j'aimerais aussi savoir quelles compétences tu as développées pour en arriver là. C'est une longue question, mais Ah j'attends la réponse. c'est une longue question. Ouais, j'ai un peu du mal à y répondre. Déjà, merci pour les qualificatifs. Je t'en prie. Ça me touche. Les compétences, en fait, nous les avons. Les compétences sont variées. C'est relatif, en fait, qu'on parle de compétences, parce que les compétences que tu as, je ne les ai pas. D'autres, on a des compétences variées et diverses. Je pense que ce qui fait à un moment qu'on a sa personnalité, qu'on commence pas à avoir, je sais pas si image de marque, je sais pas si c'est l'expression où qu'on commence pas à avoir une manière d'être, c'est le travail qu'on fait sur soi. Je pense Oui. que tout doit aller au-delà de la compétence. C'est le travail sur soi-même, je disais spirituellement, je te parlais de ça tout à l'heure, de remise en question. De ses forces, travailler sur ses forces, travailler sur ses faiblesses. J'aime bien la stratégie du hérisson de Harvard, le croisement des Oui. trois cercles.
qui fait la différence entre le bon et l'excellent, ou le bon et l'excellence, from good to great. From good to great. Et ce qui fait qu'on devient great à un moment donné, je ne pense pas que ce soit les compétences. Ce sont des aptitudes, en fait. C'est à un moment qu'on a pris conscience de ce que l'on est, qu'on a travaillé sur soi et commence pas à valoriser au-delà de la compétence ses aptitudes. Et je crois que c'est à ce moment-là aussi qu'on atteint un certain niveau d'éveil, en fait. On commence pas passer au-delà de certaines choses, on fait moins attention à d'autres parce qu'on a la priorité, on est focalisé sur son chemin, on sait comment avancer. Et je crois que c'est ça qui crée l'efficacité. Focus, be focus, c'est ça qui crée l'efficacité à un moment donné. On a un chemin, on le suit, on y va, on y va, on y va, on le suit. On a des objectifs, on met de la discipline, on suit. Et Denzel Washington le disait bien, you should have discipline, you should for how do you say it? Si tu as une vision que tu veux l'atteindre, tu dois avoir des objectifs et tu dois appliquer de la discipline. C'est pas facile. C'est pas facile parce que tous les jours, on a des challenges, mais il faut rester concentré sur ses objectifs. Oui. Et c'est comme ça qu'on est efficace, en fait, je pense. So, merci. Khaled says, in terms of skills, we all have skills and we have different skills. And my skills might be different from someone else's skills, but at the end of the day, what defines who we are all the other competencies that we acquire, mostly in our attitude, our spirituality. It's everything that we learn to become. And it is also the focus and the discipline that we have in life. We have an objective, we know what is our why, the reason why we're doing something, and we focus and we're disciplined to go get it, to go make it happen. And that's what really makes a difference. To him, it's nothing else. Merci, merci Khaled. Alors, quelle est la plus belle opportunité professionnelle de ta vie? Et pourquoi? Et quel changement est-ce que cela a créé en toi, en termes de comportement ou dans ton écosystème? Alors, Nadia, s'il y a une belle opportunité, la plus belle de ma vie, je ne l'ai pas encore rencontrée. Ok. Je ne l'ai pas encore rencontrée. Peut-être que je pourrais te répondre quand je serai pas très loin de la fin de ma vie. Ok, super. Et que j'aurais eu l'impression que je me suis rapproché le plus possible de ma raison d'être. Et que j'ai donné le maximum pour cette raison d'être, et que j'ai vu l'impact de cette raison d'être, peut-être que je te répondrai en disant, la plus belle opportunité, c'est quand j'ai été là. Tu vois, c'est très difficile pour moi de répondre aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis très, très, très loin de ce que j'ai envie d'accomplir. Très loin, mais très loin. J'ai tellement encore de choses à faire. C'est vrai qu'à 38 ans aujourd'hui, quand je regarde derrière, je me dis, oui, ouais, t'en as fait quelques-unes, mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. On a 75% de la population du continent qui a moins de 25 ans. Mon pays, le Bénin, un pays de 11 millions d'habitants, 70% de la population a moins de 30 ans. À chaque fois que je vais dans mon pays ou je vais au Togo, qui est le pays frère, je rencontre beaucoup de jeunes qui, juste sur un conseil, une réflexion, un cap, quelque chose, me rappellent après en me disant, oui, franchement, ça a changé, monsieur Higué, ça, franchement, là, je... Donc, il y a trop de choses à faire pour que je me dise que j'ai eu, pour moi, une belle opportunité aujourd'hui. Non, quand je m'en rapprocherai et que je sentirai que cette raison d'être a été touchée. Tu sais, Nadia, j'ai l'impression que j'ai un escalier qui va en haut d'un sommet et que je grimpe marche par marche, en fait. Je ne sais pas encore où je vais arriver une fois que je serai au sommet. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Mais je suis sur les marches et je monte. Et petit à petit, et puis on verra. On verra à la fin. Super. So Khaled, to the opportunity, to the question, what is the greatest opportunity you've had in your life, says he hasn't met that opportunity yet. But the day when he gets much older, when he has gone up all the stairs that life is throwing at him, then maybe he will be able to tell us what is the best opportunity. But for the moment, he feels that no matter how much he has already achieved, he's far away from reaching his raison d'être. He's far away from reaching the mission
that he knows he's here to accomplish. And so we'll have to wait and re-interview him in a few decades to find out the answer to that question. Qu'est-ce qui fait de toi un orateur international et d'où te vient la confiance pour parler? Pourquoi les gens t'écoutent? Belle question. Je pense qu'un jour, il faudrait que tu poses la question à ceux qui m'écoutent. Non, un jour. Ouais, non, je crois que je te parlais d'aptitude, de travailler sur soi, de connaître ses forces. Moi, j'ai toujours été à l'aise dans le fait de débattre. Le débat, pour moi, c'est une arme exceptionnelle. J'aurais vécu au 10e, 11e siècle en Grèce. J'aurais adoré, moi, Athènes avec les agora et tout. J'aurais adoré. Et pour moi, le débat, c'est une âme exceptionnelle. C'est, dans le débat peut sortir les meilleures idées. L'aura, le fait de parler, c'est aussi culturel, c'est ethnique. Nous, les Yoruba, nous aimons ça, quoi. Nous aimons débattre, nous aimons parler, discourir. C'est ça. Et j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents et tout, avec qui j'échangeais beaucoup, des oncles, des tantes. J'ai pas été brimé. J'ai une mère exceptionnelle, vraiment. J'ai une mère exceptionnelle qui a tout jeune, très petit, 7, 8 ans, et, mais avec tout le monde, hein, tout ça, moi, mes frères et sœurs. Mais en même temps, je dis ça, c'est pas totalement vrai parce que mes frères sont timides. Ma sœur est timide. J'ai toujours été le cas de la famille, quoi. J'ai interrogé les adultes très jeunes. Et à l'âge de 10 ans, déjà, je parlais avec les amis de mon père. Et j'en parle dans le livre à un moment, quand les amis de mon père venaient à la maison, qu'ils tenaient des agora, qu'ils échangeaient parce qu'ils rentraient d'Europe et tout. Et voilà, ils refusaient le monde. Et je nais dans ces débats-là. Je parlais avec eux. Et c'est des gens avec qui je suis ami aujourd'hui. C'est les amis de mon papa. Je parle avec eux comme si c'était des amis. Et j'ai toujours ces échanges avec eux, en fait. Et non, l'aura, c'est ça. En fait. Je ne sais pas si j'ai de l'aura, je ne sais pas, mais... J'aime l'échange, j'aime le contact, j'aime l'échange. Pour moi, on doit être capable de parler de nos désaccords, en fait. Et débat, pour moi, c'est pas convaincre, non. Débat, pour moi, déjà, c'est d'échanger des points de vue, que chacun tire ce qu'il y a de meilleur dans ce que nous échangeons. Et peut-être c'est une autre manière aussi de voir le monde. Ouais. C'est peut-être pour ça que les gens aiment bien discuter aussi avec moi, échanger, j'en sais rien, en fait. So to the question, what makes you a public speaker, Khaled says he loves debating. Debating is exchanging ideas, and he finds that very interesting, very exciting. You don't have to agree. You can agree to disagree, but debating is, for him, the best way to get to know others. And he thanks his mother again here for allowing him very young to debate with adults, to ask questions. At the age of 10, he was already asking questions to adults, to his parents' friends, people who are still his friends today and are much older than him. But he learned a lot through that. And he says there's probably an ethnic side to it because the Yoruba people love debating and exchanging ideas. So maybe the combination of that and his education, and who he is himself as well, probably very important. On a un point commun. Il paraît qu'à l'âge de 4 ans, j'aimais tenir la conversation aux adultes qui venaient rendre visite à mes parents. Alors, c'est pour ça que tu as fait Acosphère. Un point commun, tous les deux. C'est ça, c'est pour ça qu'on est en train d'échanger aujourd'hui. Probablement, tu vois, inconsciemment. Inconsciemment, tu viens de me faire penser à ce détail-là. Alors, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, si tu devais donner des conseils à Khaled Higué plus jeune, que lui dirais-tu? Ah, ça c'est... Je crois que c'est l'une des choses qui me turlupine le plus, en fait. De me dire, déjà, comme tu dis, quel conseil je donnerais à moi-même si j'étais jeune et qu'est-ce que je dirais aux jeunes d'aujourd'hui? Je pense que je reviens sur ce que j'ai dit dès le départ. Vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit d'échouer. J'ai vu tellement de personnes qui ont été brimées dans mon enfance juste parce qu'ils avaient fait une petite erreur. Tu m'entends? Là, je t'entends. Ça a coupé pendant un petit moment. Voilà. Voilà. Je disais que le droit à l'erreur, j'insiste là-dessus, parce que dans mon enfance, j'ai vu tellement de personnes qui ont été brimées juste parce qu'ils avaient commis une petite erreur.
Et c'est des choses qui les ont marquées à jamais parce qu'ils n'ont plus jamais réessayé. Ouais. Mais comment on veut innover dans une société si les gens n'essayent pas? Comment on innove si on ne tente pas? Comment on entreprend si on n'essaye pas? Comment on accomplit de grandes choses si on n'essaye pas? Ce n'est pas possible. Donc, Bien si dans sûr. une éducation, on dit aux gens, vous n'avez pas le droit à l'erreur, comment on veut devenir une société innovante? La jeunesse a toujours été à l'œuvre du progrès social dans un écosystème. La jeunesse a toujours été à l'œuvre du progrès social et de l'innovation. Donc, si on dit à une jeunesse, tu n'as pas le droit à l'erreur, comment on veut que cette jeunesse innove? Et c'est un défi que nous avons dans nos pays. Il faut que nous laissions la jeunesse essayer. Et si ils font des erreurs et qu'ils échouent, il faut que nous les aidions. Il faut que nous les accompagnions. Et c'est ce que les gens font ici. C'est comme ça qu'elles sont nées les incubateurs. C'est comme ça sont nés les accélérateurs. Parce que c'est un endroit où on te dit, tu as le droit de faire des erreurs. Tu as le droit d'échouer. Tu as un écosystème qui est là pour te soutenir. C'est la raison d'être même des incubateurs. Et je pense que c'est ce que nous devons apporter le plus. Et c'est le conseil principal que je donnerai à un jeune en lui disant, vas-y, vas-y, tu as le droit. Tu as le droit, on comprendra, tu nous expliqueras pourquoi tu as échoué, mais tu aurais appris quelque chose. Donc, vas-y. So his advice to Khaled, to a younger Khaled, would be just go ahead and try and keep trying, because any society that wants to be innovative, that wants progress, that wants change, needs to keep trying. And it's with trial and error that we can learn, innovate, and succeed. And so if we educate our youth by telling them not to make any mistakes, we can never progress. So his advice would be go, try, fail if you do, and try again by learning from your mistakes. Khaled, une dernière réflexion ou un dernier message à notre auditoire. Nous arrivons à la fin de cet entretien riche. Déjà, à tous ceux qui parlent anglais, je suis désolé, mais une prochaine fois, je parlerai anglais parce que je m'exprime bien en anglais. Donc, la prochaine fois, on le fera aussi en anglais et tout pour la communiquer, pour que tout le monde puisse m'écouter. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai insisté pour que mon livre sorte en anglais, ce Time for Africa, parce que je pars du principe que la langue ne doit pas être une barrière d'échange entre les Africains. Il faut qu'on saute cette barrière-là. Nous devons pouvoir nous parler, quel que soit là où nous sommes sur le continent. Et le mot de fin que je veux dire, c'est que c'est notre moment, en fait, à la jeunesse africaine. C'est vraiment, this is our time, really. Et nous avons tout ce qu'il faut pour jouer notre rôle sur la scène internationale. Et nous avons tout ce qu'il faut pour développer nos pays. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de bâtir des coalitions. J'insiste. Bâtir des coalitions. Et que je parle de bâtir des coalitions, cela peut être personnel, de personne à personne, cela peut être institutionnel, cela peut être politique, cela peut être culturel, cela peut être médiatique. Et j'invite tout le monde donc à aller lire L'heure de l'Afrique, Time for Africa, parce que dans le dernier chapitre, je parle des Afrikiads. Les Afrikiads, en fait, c'est de créer un espace tous les 2 ans, un pays africain à l'image des Jeux Olympiques, gagnerait 20 jours d'un festival, d'un spectacle, où toutes les diasporas africaines et les Africains pourraient aller découvrir un pays pendant une vingtaine de jours, tous les 2 ans. Et une fois qu'on se serait, on aurait appris à se connaître, qu'on aurait parlé ensemble, qu'on aurait dialogué, on apprendra à travailler ensemble, à définir des agendas pour le continent. Voilà. Super. So, last message is please read Time for Africa because it is the time for Africa. And in his book, Khaled talks about how we need to build coalitions to be stronger. We need to build personal coalitions, institutional, corporate, cultural, political coalitions. And he gives solutions as well in the book, which I will let you read. Khaled also wanted to apologize to our English-speaking friends, and he promises that next time the interview will be in English so that you can all understand, because he truly believes that the language barrier should not exist among Africans. And that's why his book, L'heure de l'Afrique,
Time for Africa has been published in both languages, in French and in English. Khaled, merci infiniment d'avoir accepté d'être notre invité. Nous sommes ravis et nous te souhaitons plein succès et peut-être encore à bientôt pour une suite à cette interview. Next week, dear friends, we will be interviewing Mac Atram, who is originally from Ghana. Gilles Aponnier will be interviewing Mac, and we look very much forward to having you again with us next week. Same time, same place. In the meantime, stay safe, stay blessed. Merci encore, Khaled. Merci Et beaucoup. À très bientôt. goodbye, Merci. everyone. Thank Merci. you. Thank you so Bye-bye. much. See you soon. Bye. Bye-bye.